I never believed that Jesus could send me a text message. Non, je n'ai jamais pensé que Jésus pouvait envoyer un message, un texte. Mais j'aimerais que vous vérifiez vos téléphones maintenant. CLS InfoLine, Jésus nous a envoyé un message. Regardez ce message, s'il vous plaît. If you have a cell phone, I'd like you to look on the church group, the CLS InfoLine. I think Jesus has sent us all a text. So please check the church group. Pour vous qui n'avez pas vos téléphones, c'est simplement dit, j'aimerais bien que vous mettiez votre téléphone sur silence. Merci beaucoup, Jésus. For those of you who don't have a phone, the message said, please put your phone on silence and turn it off. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oui. Merci au groupe de louanges ce matin, bravo. Thank you, worship team, again for this morning. La présence du Seigneur est tellement importante dans ce lieu. God's presence is so important in this place. Et on va regarder trois histoires ce matin. And so together we're going to look at three stories this morning. Ce jour, today, maintenant, now, c'est le moment de croire en Jésus. Is the time to believe in Jesus. Quoi que vous passez dans votre vie, whatever it is that you're going through in your life, la réponse est simple. The answer is simple. Crois en Jésus. Believe in Jesus. Jésus a la solution. Jesus has the solution. Jésus est la solution. And Jesus is that solution. Vous pouvez m'énumérer n'importe quel problème que vous avez dans votre vie. You can list any problem that you might be facing in your life. La réponse, Jésus l'a. The answer to them, Jesus holds it. Car à lui a été donnée toute la puissance, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. For unto him was given all power, whether it is in heaven or here on earth. Quelqu'un veut lever la main et me donner un problème qu'ils ont, qu'ils estiment que Jésus ne peut pas répondre. Would someone like to raise their hand and tell me of a problem that they think Jesus cannot resolve? Ben voilà. Vous avez répondu. There you go. You know the answer. C'est mon témoignage dans ma vie. And this is the testimony of my life. Jésus a toujours amené la réponse. Jesus has always come through with an answer. Il a toujours apporté la solution. He's always brought a solution. Que ce soit émotionnel, whether it be emotionally, physique, physically, matériel, materially, économique, financially, santé, health-wise, travail, work-related, famille, family. Jésus a toujours apporté la solution. Jesus always offered a solution. Il peut le faire. He can do it. Et encore plus important, and more importantly, Raymond, il veut le faire. Raymond, he wants to c'est do ça it. Qui est beau. That's what's beautiful. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui pourraient vous aider. There are a lot of people in this world that could help you. Mais ils ne le veulent pas. But they don't want to. Jésus peut. Jesus wants to. Et il veut. And he can and he wants to. N'est-ce pas? Il peut et il le veut. He can and he wants to. On n'a qu'à lui demander. All we have to do is ask him. Jésus a dit des mots très simples. Jesus said very simple words. Demandez et vous recevrez. Ask and ye shall receive. C'est pas bien difficile. That's not complicated, is it? C'est pas compliqué.
Jésus a la réponse. Jesus has the answer. Et on va regarder trois personnages ce matin. And so this morning we're going to look at three different characters. Et aujourd'hui vous allez m'entendre très peu. And today you're going to hear of me very little. Parce que je vais simplement lire les Écritures. Because I'm simply going to read the Scriptures. Et faire quelques commentaires. And then make a few comments. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Jésus aujourd'hui? Are you ready to have an encounter with Jesus today? C'est ce qui va se passer. That's what's going to happen. Vous les jeunes surtout. And you young people especially. Il a ses yeux sur vous aujourd'hui. He has his eyes on you this morning. Ah oui. Jamais trop jeune. You're never too young. Jésus aime la jeunesse. Jesus loves the youth. Amen. Amen. On va commencer en Marc chapitre 10. And so we're going to begin together in the book of Mark chapter 10. Alors ce que je vais faire pour que ça aille un peu plus rapidement. So what I'm going to do so that it goes a little more quickly. Je vais lire en français. I'll be reading in French. Mais on aura le texte en anglais pour les anglophones. But we will have the English text displayed on screen. OK, on y va? Marc 10 et verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jette à genoux devant lui. « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne et tu honoreras ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Il avait un gros compte bancaire. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent à l'un et l'autre, « Et alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et il dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Voilà un homme qui court vers le Seigneur. So there was a man that ran. Oh, il était enthousiaste. Oh, he was enthusiastic. Et on a vu, il se jette à genoux. And as we saw, he threw himself at the feet. Oh, il avait de la confiance. He was confident. Et il était engagé. He was engaged. Et il voulait vraiment savoir comment hériter la vie éternelle. He was truly willing to find out how he may inherit eternal life. Et il a dit, bon maître. And so he said, good master. Et Jésus l'a dit, pourquoi tu m'appelles bon? And Jesus said to him, why do you call me good? Vous savez pourquoi Jésus a posé cette question? Do you know why Jesus asked that question?
Il voulait savoir, est-ce que tu reconnais qui je suis? He was asking, do you recognize who it is that Parce I am? Parce que Jésus a dit, il y a seulement un qui est bon, c'est Dieu. Because Jesus said, there is none good but God. Alors est-ce que tu m'appelles bon parce que tu réalises qui je suis? So are you calling me good because you realize who it is that I am? Et ensuite, bien sûr, Jésus dit, bah voilà, les commandements, tu les connais. And of course, then Jesus goes on to say, yes, you know the commandments. Et le jeune homme. And that young man. Parce qu'on le sait d'un autre évangile, c'était un jeune homme. Because we know that about him, hearing from another gospel, we know he was young. Jésus fait sa liste. Jesus makes his list. Et dit, maître. And he says, master. J'ai observé toutes ces choses. Dès ma jeunesse. Sorry, the young man makes his list and he says, Lord, Master, I've observed all of them ever since I was a young man. Je le vois déjà regarder un peu le Seigneur et dire, ouais, ça j'ai fait. You can imagine him looking at the Lord saying, yeah, I've done these. Certains de vous, les jeunes, nés dans des familles chrétiennes. Certain of you, young ones, that were born in Christian families. Vous qui avez des ailes sur vos dos. You that can show wings on your back. Moi, j'obéis toujours à maman et papa. I always listen the mommy and daddy. Je demande ce que vos parents penseraient. Mais, I wonder what your parents would say. Mais j'ai l'impression que ce jeune homme a eu un petit clin d'œil dans ses yeux quand il a répondu, Seigneur. But I have a feeling he had a glint in his eye, this young man. Vous savez, des fois, on peut être très confiant devant le Seigneur que tout va bien. You know, sometimes we can be very confident in front of the Lord that everything is going well. Je suis en ordre. I'm in good standing. J'ai jamais tué quelqu'un. I've never killed anyone. C'est marrant qu'on décide toujours de choisir le crime le plus terrible pour dire que tout est en ordre avec Funny Dieu. Funny how we always pick the worst types of crime to convince other people that we're doing good. Mais regardez comment Jésus a traité cet homme. But see how the Lord treated this man. Il est dit, Jésus l'ayant regardé. It is said that Jesus, looking at him, l'aima. Loved him. Vous savez, ça c'est le regard que Jésus il a pour toute personne dans le monde entier. Do you know, this is the look that Jesus has for everyone in this world. Même que ce jeune homme était un peu culotté, plein de lui-même et tout, Jésus l'a quand même aimé. Even though this young man was showing off, being slightly cheeky, Jesus, looking at him, still loved him. Et il lui dit, and he said to him, il te manque une chose. You are missing but one thing. Vous imaginez si le Seigneur disait, hey, c'est parfait, il a juste un truc. Can you imagine if this is what the Lord had to say about you? Everything is good except just one thing. Vous seriez content, non? You'd be happy about that. OK, c'est pas un 10 sur 10, mais c'est un 9 sur 10. It's maybe not a 10 out of 10, but it's a 9 out of 10. That's not too bad. C'est beau, ça. That's good. Moi, je suis content si j'ai un 4 ou 5 sur 10, personnellement. I can be very happy with a 4 or a 5 voilà. Out of 10 myself. Ce jeune homme, il avait un 9 sur 10. Il a juste une chose qui te manque. So this young man, he's got a 9 out of 10. He's only missing one thing. Et je me dis, il s'attendait là. OK, c'est quoi? And so you can imagine he's there like, OK, well, tell me what it is. Dis-moi, pas de problème. Go and tell me then. Il te manque une chose. You're missing one thing. Va, OK, je dois y aller. Go. Vends tout ce que tu as. Sell all that you have. Hein? Vends tout ce que tu as. Sell all that you have. OK, peut-être je vais faire un petit investissement avec tout ça. Oh, maybe I'm going to make a small investment with that. Non, il dit, vends tout ce que tu as. No, he says, sell all that you have. Et donne aux pauvres. And give to the poor. Et tu auras un trésor dans le ciel. And you will have treasure in heaven. Puis, then, viens et suis-moi. Come and follow me. Ce jeune homme, il était de ça. This young man went from this à ça. To this. Une chose. One thing. Une chose te manque. One thing you're missing. Mais cette chose te garde
d'une relation avec le Seigneur Jésus. But that very thing is keeping you from a relationship with Jesus. Les enfants, écoutez la parole de Dieu, c'est pour vous. Children, listen to the word of the Lord this morning. It is for you. Oui, oui, comme ça on dérange pas les autres aussi. And that way you can avoid disturbing other people around you. Peut-être cette parole est pour vous. Maybe that word is specifically for you. Qu'une chose. One thing. Te garde. Is keeping you. De tout ce que tu veux dans la vie. From everything else that you might want in life. Sachez qu'on veut tous la même chose. Just realize that we all want the same thing. Qu'est-ce qu'on veut? What is it that we want? On veut l'amour. We want love. On veut la joie. Joy. On veut la paix. Peace. Et on veut l'espérance. And we want hope. Non, si on a ces quatre choses, qu'est-ce qu'on veut de plus? Honestly, if we have these four things, what is it that we're wanting for? Tout ce que nous cherchons, everything we're looking for, Jésus nous l'offre. Jesus offers it to us. Mais il a des choses dans nos vies. But there are things in our lives qui nous gardent de cette vie que Dieu veut tant nous donner. That are holding us back from this life that Jesus wants to give us so much. Mais affligé de cette parole. But he was saddened by these words. Cet homme s'en alla, tout triste. And he went his way, the Bible says, sadly. Car il avait des grands biens. Because he had great wealth. Ce matin, this morning, vous pouvez partir. You can go. Triste. You can leave sad. Parce que vous ne voulez pas donner ce que Dieu vous demande. Because you refuse to give up that thing that God is asking. Jésus dit ensuite à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. And then Jesus said to his disciples that it would be very difficult for people that have great wealth to enter the kingdom of God. Être riche. To be rich. Levez la main si vous êtes assez riche. Raise your hand up if you feel you're rich enough. Ah, vous êtes assez riche. Are you rich enough? Oh, une personne là, on viendra chez toi demander un petit peu d'argent. Well, someone raised their hand. We'll all be coming over after church asking for a bit of money. C'est bien d'être content avec ce qu'on a, jeune homme. Bravo. It's good. It's good to be content with what you have, young man. Il a un grand, grand problème avec la richesse. There's a great problem with wealth. C'est que l'argent, it's that money, peut presque tout acheter. Can buy almost anything. Si vous êtes un jeune homme, if you're a young man, célibataire, and you're single, et vous avez de l'argent, and you have lots of money, même si vous n'êtes pas très beau, even if you're not very handsome, plein de filles montrera un grand intérêt en vous. A lot of girls will, for some reason, show a lot of interest in you. Quand on a de l'argent. When you're rich. On a tellement d'amis. We have so many friends around us. Because parce qu'on est tellement, on est tellement sympa. Because we're so nice, isn't it? C'est rien à voir avec l'argent. It's got nothing to do with what we have, the money. Vous savez, quand on est riche, on ne sait jamais qui est notre ami. Did you know that when you're rich, you never truly know who your friends are? Ah oui, 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 oui. Quand on a de la puissance, on ne sait pas qui est nos amis. When you hold a lot of power, you don't know who your friends truly are. Vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue? Do you remember the story of the prodigal son? Quand il est parti, il avait plein d'argent dans les poches. When he left, he had loads of money in his pockets. Et il est parti loin de la maison. And on he went far away from home. Et il allait dans les bars. And he went to the bars. Et il dit, tournez pour tout le monde. And he said, drinks for everyone. Oh, il est beau ce gars, il est superbe. Oh, this guy's great. Have you seen this guy? Et
Et chaque fois qu'il rentrait dans le bar, tout le monde était l'applaudissait. Ah, c'est bien de te voir. Ah, génial, oui, superbe. And so every time he'd come in, obviously people would rejoice, say, oh, there he is, come on, man, oh, what a joy to see you. Oh, je suis tellement aimé. Oh, I'm so loved. Oh, les gens, ils m'aiment. People really love me. Oh, c'est merveilleux. It's just wonderful. Et ensuite, il a dépensé tout son argent. And then he spent all of his money. Et tout d'un coup, and all of a sudden, personne lui parlait. No one was talking to him. Il avait plus d'amis. He had no more friends. Il était tout seul. He was alone. Quand vous avez de l'argent, when you have money, on ne sait jamais qui sont nos amis. You never know who are your true friends. Et il s'est trouvé seul. And so he found himself alone. Et vous savez, Jésus, il a dit que le royaume de Dieu, and did you know that Jesus said that the kingdom of God est comme un trésor qu'on trouve dans un champ, is like unto a treasure that is found in the field. Et cette personne, quand elle trouve le trésor, elle vend tout ce qu'elle a pour acheter ce champ. And when a person finds that treasure, they sell everything else that they have to buy that field. Cet homme qui était venu à Jésus, this man that had come to Jesus, ne réalisait pas, was not aware, qu'il avait trouvé le trésor, hadn't realized he'd found that treasure. Il avait trouvé le trésor, c'était Jésus. He had found the treasure, it was Jesus. Mais il avait un autre trésor. But he had another treasure. Mais Jésus a dit de l'abondance des choses. But Jesus said, out of the abundance of things. La vie ne consiste pas de l'abondance des choses que nous possédons. He said, life does not consist of the abundance of the things that you have. Je vais vous dire un petit secret. Now, I'm going to tell you a secret. Le plus qu'on a de choses, the more things you have, le plus de soucis qu'on a, the more worries come along with it. Je vous assure. I promise. Je peux vous le dire par expérience. I can tell you out of experience. Le plus qu'on a, the more you have, le plus de temps qu'on a pour s'occuper des choses qu'on a. Then the more time that you need to take care of those things that you have. Et on possède pas les choses. And we don't possess things. Les choses nous possèdent. Things end up possessing us. Elles prennent notre temps. They take up our time. Elles prennent nos soucis. They take up of our brain power. Quand vous êtes riche, when you're rich, vous avez peur de tout perdre. You're fearful of losing everything. Quand on n'a rien, when you have nothing, c'est pas un problème. That's not an issue. Et je peux vous dire, moi je connais les gens très riches et je connais les gens très pauvres. And I can tell you this, I know very wealthy people and very poor people. Et la plupart des riches sont tristes. And most of the rich people I know are sad. Soucieux. They worry. Ingrats. They're ungrateful. Mais les gens pauvres, but people that are poor, quelque part, somehow, ils ont une vie sans souci. They have a worryless life. Et ils se réjouissent des choses simples de la vie. And they can rejoice of the simple things in life. Et les gens pauvres, and poor people, que j'ai rencontrés dans le monde entier, that I've met around the world, sont très souvent les gens les plus généreux. Are very often the most generous people that I've met. Gloire à Dieu. Glory be to God. La richesse. Wealth. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, parce que je vais au Mollard prêcher la parole. There are a lot of people that tell me because they know that I go to preach downtown in Mollard. Et ils disent, mais pourquoi tu viens prêcher au Mollard? Il n'y a que des riches ici. And they tell me, why do you come and preach in this place? There are only rich people here. Ben, je dis, oui, mais les riches, ils ont aussi besoin du Seigneur. I've said, yes, but rich people also need Jesus. Parce que l'endroit le plus triste à Genève, c'est le Mollard. Because one of the saddest places you can come to in Geneva is here in the Mollard. Je vois très peu de sourires au Mollard. I see very, very few smiles looking around. Voilà. Voilà, c'est comme les mannequins, je sais pas pourquoi ils ne sourient jamais. Yeah, of course they're walking about. It's a little bit like top models. For some reason they never smile. Hey Robert Jr. Don't smile, man. You don't look cool. Oh oui, pardon, j'étais là en français.
Oui. Donc la richesse est un grand problème. So wealth can be a great issue. Jésus le dit. Jesus says it. Et les apôtres étaient tellement étonnés qu'il a dit que c'est très difficile pour quelqu'un qui est riche de rentrer dans le royaume. And the word says that the apostles were astonished when Jesus explained how difficult it would be for a wealthy man to enter the kingdom. Parce que quand on est riche, because when you're wealthy, on n'a pas besoin de faire beaucoup de prières. You don't need to pray that much. Parce que on peut tout acheter. Because you can buy most things. Mais la richesse fait une autre chose. But wealth does something else. On peut devenir orgueilleux. You can become proud. On peut regarder d'en haut en bas aux gens qui ont moins que nous. You can start looking down on people that have less. On peut devenir comme Nebuchadnezzar. Vous rappelez l'histoire de Nebuchadnezzar? You can become like King Nebuchadnezzar. Do you remember? Regarde tout ce que j'ai fait. Look at all I've done. Regarde ce que j'ai construit. Look at what I've built. Ah, en anglais dit the self-made man. Comment on dit ça en français? Non. Un homme qui s'est accompli tout seul. Tout seul. I did it my way. L'orgueil. Pride. Et le problème avec l'orgueil, and the problem with pride, c'est que Dieu dit je résiste à l'orgueilleux. Is that the Bible says that God resists the proud. Dieu n'aime pas l'orgueilleux. God doesn't like pride. Parce que sans le Seigneur, because without the Lord, sans Dieu dans ta vie, without God in your life, tu ne ferais absolument rien. You would do absolutely nothing. Tu ne pourrais même pas respirer ta prochaine respiration. You could not even take in your next breath. Alors la richesse, so wealth, peut être un grand problème. Can become a great problem. Et il y a beaucoup ici, même que nous sommes chrétiens. And there are several of us here, even though we are Christians. Ah, Seigneur, bénis-moi. That we say, oh Lord, bless me. Je veux être béni financièrement. Lord, I want to be blessed financially. Alléluia. Pourquoi, dit le Seigneur? But why, says the Lord? Tu veux être riche? Do you want to be rich? Pourquoi? Why? Tu veux être comme le jeune homme? Do you want to be like the young man in the story? Qui ne peut pas marcher avec moi? That cannot walk with me. Parce qu'il aime l'argent plus que Dieu. Because he loves his money more than he loves God. Rappelez ce que Jésus a dit. Remember what Jesus said. Il n'est pas possible d'aimer Dieu et l'argent. It is not possible to love God and money. L'argent, c'est la plus grande tentation pour l'homme. Money is the greatest temptation for man. Et encore une plus grande tentation pour les femmes. And an even greater temptation for women. Parce qu'ils font plus de shopping. Because they do more shopping. Sauf Estelle, bien sûr. Except for our sister Estelle, God bless her. L'argent. Money. L'argent. Money. Vous savez, la chose qui était tellement triste avec ce jeune homme. Do you know the thing that was so sad about this young man? On ne sait pas ce qu'il est devenu. Is that the Bible doesn't tell us what became of him? Je me demande souvent. I often wonder. Peut-être par la grâce de Dieu. Maybe by God's grace. Dieu lui a enlevé ses richesses. God, Jesus took his riches away from him. Savez-vous, Dieu peut enlever vos richesses. Did you know that? God can take away your wealth. S'il voit que la richesse va vous détruire. If he concludes that the wealth is going to destroy you. Il va vous l'enlever. Then he's going to take it away from you. Ou il va pas vous le donner. Or he won't give it to you in the first place. L'argent. Money. Il est également dit dans la parole que c'est pas seulement la richesse qui nous garde du Seigneur, mais aussi l'intelligence. It is said in the scriptures that it is not only wealth that keeps us from a relationship with God, but also
intelligence. Paul a dit, est-ce que vous avez remarqué, il n'a pas beaucoup de sages et d'hommes intelligents qui rentrent dans le royaume de Dieu. Paul said, he was asking, have you noticed how very few intellectuals or wise men are entering into the kingdom? Mais j'aime bien comme l'histoire finit. But I like how this story ends. Jésus les regarda. Jesus looked at them. Cela est impossible aux hommes. This is impossible to man, he said. Mais non à Dieu. But not for God. Car tout est possible à Dieu. For with God, everything is possible. Et on va regarder maintenant deux histoires. And now we're going to look at two different stories. Où il y a des hommes riches. Where there are wealthy men. Qui connaissent le Seigneur. Who find their way to the Lord. Ils avaient quelque chose qui les gardait du Seigneur. They had something that was keeping them from knowing the Lord. Mais le jour où le Seigneur est venu. But then, the day that the Lord came. Précisément quand ils l'ont rencontré. More specifically, when they met him. Et ils ont cru en lui. And believed in him. L'argent n'avait pas de puissance sur eux. Money had no hold on them. Luc 19. Luke chapter 19. Verset 1, on va lire cela. And verse 1, let's read it together. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et il monta dans un sycomore, un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Waouh, j'aimerais bien que le Seigneur dise, « Hé, descends David, je viens chez toi. » Oh, alléluia. Et il est dit, « Zachée se hâta de descendre et le reçoit avec joie. » Voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il, c'est-à-dire Jésus, il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, et je suis sûr qu'il en a fait, si j'ai fait tort à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Vous imaginez ces débiteurs, comme ils étaient heureux. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Zachée, c'était le chef des impôts. Zacchaeus was the chief tax collector. Levez la main si vous aimez payer vos impôts. Please raise your hand if you love paying your taxes. Et beaucoup d'entre vous ne payez pas d'impôts. And several of you do not pay any taxes. Thank you, UN. Ah, you pay. Ah, vous payez les impôts alors? Apparently, il a des gens qui disent non, il a des gens qui disent oui. Yeah, some people are saying. Attention, il faudrait que vous regardiez vos contrats. You might want to have a look at your contract a little more closely. On n'aime pas payer nos impôts. No one loves paying their taxes. Let's be honest. Mais Zachée, c'était le pire des pires. But Zacchaeus was the worst. Parce que lui, il prenait les impôts des Romains. Because he was collecting taxes from the Romans. Et il c'était pas lui qui le faisait. And he wasn't the one that was doing it. Il avait tous ses sous-fifs autour de lui. He had all these little minions around him. Qui allaient chercher les impôts. That went on collecting. Et bien sûr, il raclait la crème. And he would skim off the top. Et il était riche. He was rich. Très riche. Very rich. Mais
j'aime bien la question importante que Zachée s'est posée. But I love the question, the important question that Zacchaeus asked himself. C'est marqué, il cherchait à voir qui est Jésus. That the scripture says that he was looking to find out who Jesus was. C'est la question la plus importante au monde. That's the most important question in the world. Qui est Jésus? Who Jesus is? Est-ce que c'est un homme sage? Was he just a wise man? Un homme gentil? A kind man? Un philosophe? Was he a philosopher? Ou lui, il prétend être Dieu. But he said he was God. Qui est Jésus? Who is Jesus? C'est la réponse de toutes les questions. He's the answer to all the questions. Et il est dit, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. But the scripture says that he couldn't go to meet Jesus because he was too small to get through the crowd. Ah, un homme riche qui était aussi petit, ah, on les aime encore moins. Can you imagine a wealthy man that was that small? That's typically the kind of man that you dislike. C'était le genre de gars qu'on poussait exprès parce qu'il était petit. He's the kind of guy that you would go out of your way to push on purpose. Et il était jamais bienvenu dans les foules. And so he wasn't very welcome anywhere he would go. Mais il voulait savoir qui est Jésus. But he wanted to know who Jesus is. Ah, il s'est dit, je peux pas le voir, ils sont tous trop grands. He said, I can't see him, they're all so big. Et puis il était trop embarrassé de passer par les jambes. And he was too embarrassed to run through the people's legs. Alors il dit, je vais me positionner. So he said, I'm going to find a vantage point. Je vais me mettre dans une place où je vais pouvoir le voir. I'm going to find a place where it is that I can see him. Et il a bien compris, OK, il va aller là-bas. Ah, il a un arbre, je vais monter dans l'arbre. And so you can imagine him anticipating, he's going to walk through here, so if I stand on that tree, I'll be able to see him. Et il attendait. And so he was waiting. Et Jésus arrivait. And Jesus was coming. Il voyait. He could see. Mais il n'entendait pas grand-chose. But he couldn't hear much. Et il ne pouvait pas juger grand-chose. And he couldn't make out much from where he was. Mais attention. But wait. Jésus s'arrête. Jesus then stops. Je peux m'imagine Zachée. I can imagine Zacchaeus. Oh, je vais peut-être pouvoir l'entendre parler. Oh, he stopped. Maybe I'm going to be able to hear the man. Il tend l'oreille. And so he stretches out an ear. Et tout d'un coup, il entend. And all of a sudden he hears Zachée. Zacchaeus. Et le Seigneur le regarde. And the Lord looks at him. Et dit, descends. And he tells him, come down. Je viens chez toi. I am coming to your house. Wow! Un avec Jésus. A one-on-one with Jesus. Il vient chez moi. He's coming to my house. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi, mon ami. And this is precisely what God wants to do with you, my friend. On doit se rencontrer. We have to meet. Il faut qu'on se parle. We need to talk. Échangeons, raisonnons ensemble. Let's chat, let's reason together. Tu as des questions pour moi? Do you have any questions for me? J'ai la réponse. I have the answer. Tu pensais que tu étais détesté de tout le monde? You thought you were hated of everyone? Mais moi je t'aime. But I love you. Moi je viens te chercher. I'm coming to get you. Moi je veux que tu sois avec moi. I would like you to be with me. Dans mon royaume. In my kingdom. Tu es mal compris par tout le monde. You're misunderstood by the people around you. Mais moi je te connais. But I know moi, you. Moi je te comprends. I understand you. Et moi je t'aime. And I love you. Et je viens chez toi. And I'm coming to your house. Oh, alléluia. Et il est dit, Zachée hâta de se descendre et il le reçut avec joie. And the scripture said that he came down quickly and received Jesus with great joy. Je m'imagine ce gars. I can only imagine this guy. Normalement, il marchait toujours tout seul. He was probably always walking on his own. Les gens qui faisaient des petites remarques. People were making snide Mais remarks. Là, il marchait à côté de Jésus. But there, all of a sudden, he was walking next to
Et les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec toi, Jésus? And people were wondering, but what is Jesus doing with this guy? Ah ben, il vient chez moi. Well, you wouldn't believe it, he's coming to my place. Ils étaient à la tête de la foule. And so they were walking ahead of the crowd. Des centaines de personnes derrière. There's 100 people behind them. Ah, ils arrivent à la porte. And they come to the door. Oh, désolé, c'est juste moi et Jésus. And he turns back and says, sorry guys, it's just me and Jesus. Ah, Jésus dit, ouais, j'ai quand même 12 disciples. And then Jesus says, calm down, I have 12 disciples. J'ai un manoir, ils peuvent aller dans la cuisine, mais so, toi et moi, on... And Zacchaeus says, yeah, there'll be space for the disciples in the kitchen, but it'll be just a one-on-one. Et vous savez ce qui s'est passé dans la maison de Zachée? And do you know what happened in Zacchaeus' house? Jésus lui a parlé. Jesus spoke to him. Jésus lui a parlé. Jesus spoke to him. Jésus a partagé. He shared with him. Qui il était. Shared about who he was. Qui, ce qu'il voulait. What he wanted. Et Zachée a aimé ce qu'il a entendu. And Zacchaeus loved what he heard. Et Zachée a cru en Jésus. And Zacchaeus believed in Jesus. Et malgré tout son argent, and in spite of all his money, il était convaincu. He was convinced. Comme Paul l'a dit, as Paul had said, j'ai tout perdu. I have lost everything. Pour avoir Jésus. For Jesus. Et je suis content. And I am happy. Parce qu'il est le trésor. Because he is the treasure. Unique. The only qui treasure. Qui dépasse tout ce que ce monde peut m'offrir. That is well beyond anything that this world may offer. Remarquez une chose. Notice a thing. Jésus lui a pas demandé de faire quoi que ce soit. Jesus didn't ask this man to do anything. Mais Zachée s'est levé. But Zacchaeus stood. Se tenant devant le Seigneur. And being in front of the Lord. Il dit, voilà, je vais donner la moitié de ce que j'ai aux pauvres. Without anyone asking, he says, there it is, I'm going to give half of what I have to the poor. Et si j'ai fait du tort à qui que ce soit, je veux le rendre quatre fois. And if I've wronged anyone, I will pay them back fourfold. Moi, j'ai calculé plus ou moins. I calculated myself, more or less. Zachée a donné 90% de sa fortune. Zacchaeus must have given out more than 90% of his wealth. Ah, c'était pas la dîme de 10%. Ah, that wasn't the little 10% tithing, was it? Oh, ça c'était vraiment une conversion. That was a true conversion. Est-ce que tu es prêt à être converti ce matin, hein? Are you ready to be converted this morning? Et de donner le 90% de ce que tu as. And to give 90% of everything you have. Non. Un homme riche. A wealthy man. Il a entendu la voix de Jésus. He heard the voice of Jesus. Il a entendu la vérité de Jésus. He heard the truth from Jesus. Il a vu l'amour de Jésus. He saw the love of Jesus. Et à cause de cela, and because of it, il était prêt à donner ce qu'il avait. He was ready to give up what it is that he had. Il a restitué ce qu'il devait. He restored the people that he had. Vous savez, la repentance c'est important. Do you know, repentance is very important. Si tu as volé quelque chose de quelqu'un, if you've stolen anything from someone, ben, tu vas vers cette personne. Well, then you go up to this person. Dis, hey, désolé, mec, je t'ai volé ton briquet. And you tell this person, sorry, mate, I stole your lighter. Un briquet Dunhill. A Dunhill lighter. Désolé, hein. Sorry about that. Ciao. See ya. Non. No. C'est ce que j'ai fait moi quand j'avais 20 ans. That's what I did when I was 20 years old. J'avais volé un beau briquet Dunhill. I had stolen a very beautiful Dunhill lighter. J'étais nul. What? En plus, c'était un briquet Dunhill qu'un homme avait donné à sa femme pour Noël. And what's more, it was a lovely lighter that a man had given his wife for Christmas. Dans ma poche. Put it in my pocket. Je pars en Suisse. And I leave for Switzerland.
Quand je fumais mes cigarettes. I still smoking my cigarettes back then. Daniel. I used to use that Daniel lighter. En or. It was gold. Quand le Seigneur m'a sauvé. When the Lord saved me. Il m'a dit David. He said to me, David. T'as plus besoin de ton briquet. You don't need that lighter anymore. C'est vrai. Yeah, yeah. Ouais, il faut que j'aille m'excuser. Yeah, you're right, and I should probably go and apologize, I thought. Et rendre le briquet. And to give it back. Alors, je suis allé voir cette femme. So, I went to see this woman. Elle était heureuse de me voir. She was happy to see me. Et je lui ai rendu son briquet, je lui ai dit, désolé, mais je t'ai volé ton briquet. And I handed her lighter back to her and I said, sorry, I stole it from you. Je suis devenu chrétien et le Seigneur Jésus m'a demandé de te le rendre. But now I've become a Christian and the Lord Jesus has asked me to give it back to you. Et sa réaction, and her reaction, c'était, was, elle savait pas quoi dire. She didn't know what to say. Et après un bon moment, elle a dit, ah ben c'est bien de te revoir. And after a little while, she just said, it's so nice to see you. La restitution est très importante. Restitution is very important. On ne peut pas que demander pardon des fois. Nous devons restituer et mettre en ordre le mal qu'on a fait. Sometimes asking forgiveness is not quite enough. You have to restore and correct the imbalance you created. Et Zachée a fait ça. And Zacchaeus did that very thing. Je m'imagine la tout Jéricho t'entend. Hey, est-ce que Zachée te doit de l'argent? I can just imagine the whole town, the people telling each other, does Zacchaeus owe you anything? Il a perdu la tête. Have you heard the man has lost his mind? Il va pas seulement te donner ce qu'il te doit. He's not only going to give you back what he owes you. Et il va te donner quatre fois. He's going to give it to you four times over. Je m'imagine tous les gens dans la ville, ils se posaient des questions. Est-ce qu'il me doit quelque chose? And just people walking around the city going, et je suis sûr qu'il a des gens qui sont venus vers Zachée à qui il devait rien. I'm sure that people showed up that to whom Zacchaeus didn't owe anything. Mais connaissant Zachée, un comptable, il avait tout noté. Yeah. But knowing the man, he still was a tax collector. He probably kept a good record. Mais il a rendu ce qu'il devait. But he gave back what he had to. Il a restitué. He restored. Et Jésus a dit quelque chose de très beau, n'est-ce pas? And Jesus said something that's beautiful, didn't he? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Because he said that the Son of Man came to restore that which was lost. Vous savez, de perdre sa confiance, c'est une bonne chose. Do you know, to lose self-confidence is a good thing. Le problème, c'est quand on est jeune. The problem is that when we're young. Comme moi. Like me. On a beaucoup de confiance. We're very confident. On est beau. We're good looking. On est belle. We're pretty. On est fringué comme il faut. We're dressed up, you know, we're dressed up the way we should be, man. Instagram, regarde. Look, I got myself a nice little phone, man. La fierté de la jeunesse. The pride of youth. L'avenir. The future. Les clins d'œil des filles ou des mecs. Little winks from a young lady or a les young parents, man. Ils comprennent rien. Ah, these parents, they don't understand a thing. Mais c'est bien. C'est une bonne chose quand tu te trouves perdu. But it is a good thing. It is a good thing when you find that you feel that you're lost. Que tu comprends pas. That you somehow don't understand. Que tu n'arrives pas tout seul. That you can't quite figure it out on your et own. Et je sais, on joue tout le jeu. À l'école, on est là, là, et c'est ouais, tout va bien, ouais. And ouais, I know how it is. We all play the same game when we come to school. Everything is fine. Everything is splendid. Everybody's doing ouais, good. À la maison. But back home,
On pleure quand on est au lit tout seul. You cry yourself to sleep. Personne m'aime. No one loves me. Je suis tout seul. I'm alone. C'est bon d'être dans cette position-là. It is a good thing to find yourself in that situation. Parce que quand vous vous sentez seul, because when you feel that you're alone, et que le monde est juste trop vaste et trop grand et trop difficile, and that this world is just too big, too vast and too difficult, c'est là où le Seigneur il vient te chercher. That's when the Lord comes to fetch you. T'as besoin d'aide? Do you need help? Je suis là. I'm here. Ah non, moi j'ai pas besoin d'aide, Seigneur. Non. No, I don't need any help, God. Non, come on. Non. J'ai ma vie devant moi. I've got my whole life ahead of me. Dit l'homme qui va mourir le lendemain. Says the man that will die tomorrow. Jésus vient te chercher ce matin. Jesus is coming to fetch you this morning. Parce que t'as un besoin. Because you have a need. Et tu sais. And you know. Qu'il t'appelle. That he's calling you. Ce jour. Today. Maintenant. Now. C'est le moment de croire en lui. Is the time to believe in him. Et de l'accepter. And to accept him. En Actes 8, 27, notre dernière histoire. Acts chapter 8 and verse 27. That's our final story. On parle ici de Philippe l'évangéliste. We're talking about Philip the evangelist. Et il est dit, et il se leva et il partait, et voici, il rencontre un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. Voilà un homme qui était et riche et puissant. So this, the man we're talking about, was a man that was rich and powerful. Et il est dit, s'en retournait chez lui. Il était assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe accourut et il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et il répondit, « Comment je pourrais si quelqu'un ne me guide ?» Et il invite Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. » Et l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle ? Est-ce que c'est de lui-même ou est-ce que c'est de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvre la bouche et commençait par ce passage. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur leur chemin, ils rencontrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Quelle merveilleuse histoire! What a wonderful story! Et j'aime bien l'esprit de cet homme. And I love the spirit of that man. Un homme riche, intelligent, puissant. A wealthy, intelligent, powerful man. Quand Philippe lui demande, est-ce que tu sais ce que tu lis? When Philip asks of that man, do you even understand what it is you're reading? Il dit, comment est-ce que pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide?
And he answers, how could I possibly unless someone guides me? Et il a invité Philippe à partager le trajet avec lui. And so he invited Philip to share the journey with him. Et il lui pose des questions par rapport au verset qu'il lisait. And during that journey, he asks of Philip questions concerning that passage. Mes amis, posez tes questions. Friends, ask questions. Tu as tellement de questions à Dieu. You have so many questions for Pose-lui God. Les questions. Well, then ask them. Et ensuite, donne-lui du temps pour répondre. And then give him time to answer. D'accord, il va pas te texter tout de suite. Oh, yes, granted, he's not going to text you. Et si tu as 50 questions, il va peut-être pas tout répondre en une seule fois. And if you give him 50 questions, he might not answer all of them Mais at the same time. Mais il va te répondre. But he will answer. Et il est dit que Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. And the scripture said that Philip Alleluia. Gave this man the good news of the gospel. La bonne nouvelle de Jésus. The good news of Jesus. Et on voit tout de suite. And we see. Dans ce passage. In this passage. L'eunuque dit, hey, il a de l'eau ici. That this man, the eunuch, says, look, but there's water here. Est-ce que je peux me faire baptiser? Can I get baptized? Ah non, il faut que tu fasses un cours de 3 mois. And oh no, you have to go through a 3-month course. Qu'est-ce que Philippe a répondu? What did Philip answer? Si tu crois de tout ton cœur. If with all your heart you believe. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. That Jesus is the Son of qu'il God. Qu'il est mort sur cette croix. That he died on this cross. Qu'il est ressuscité le troisième jour. That he is raised from the dead on qu'il the third day. Qu'il est ton Sauveur. That he's your Savior. Alors fais-toi baptiser, oui. Then yes, get baptized. Et il y a des gens ici. And there are people here. Vous croyez en Jésus. You believe in Jesus. Mais vous n'êtes pas baptisé. But you're not baptized. Prenez cette décision. Make that decision. Et si vous êtes mineur, parlons-y avec vos parents. And if you're a minor, speak about it with your parents. Parce que si vous croyez que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, because if you believe that Jesus is the Son of God, qu'il est mort sur cette croix pour tes péchés, that he died on that cross for your sins, qu'il est mort et ressuscité le troisième jour, that he died but then he rose again on the third day, selon cette parole-là, according to this word, vous avez le droit. You are allowed. Et non seulement le droit, le Seigneur vous demande d'être baptisé. But not only the Lord asks it of you that Et you vous would voyez, be baptized. Ils sont rentrés dans l'eau. And you see how they went in the water. On voit des baptêmes comme ça, n'est-ce pas? We see baptisms like this, don't we? Non. No. La Bible dit que nous sommes ensevelis dans les eaux du baptême avec le Seigneur. No, the Bible says that we are buried in the waters of the baptism with the Lord. On s'identifie à sa mort. And through that, we identify with Christ's death. Et notre chair meurt. And our flesh dies. Et on sort de ces eaux. And then we come out of these waters. Une résurrection, une nouvelle créature. A resurrection, as it were, a new creation. Prêt à recevoir l'Esprit de Dieu. Ready to receive the Spirit of God. Amen. Aujourd'hui. Today. Maintenant. Now. Crois en Jésus. Believe in Jesus. Il t'appelle. He's calling you. Si tu entends sa voix. If you hear his voice. N'endurcis pas ton cœur. Do not harden your heart. Aujourd'hui. T'appartient. Today belongs to you. Demain peut-être pas. Tomorrow maybe doesn't. Seul Dieu sait où tu seras demain. Only God knows where you'll be tomorrow. Mais si tu l'entends ce matin. But if you're able to hear him this morning. Si tu entends qu'il t'appelle. If you're hearing his call. Et si tu crois en lui. And if you believe in him. Donne-lui ta vie. Give him your life. Crois en lui comme ton sauveur et ton Seigneur. Believe in him as your Savior et soyez and your Lord. Baptisé au nom de Jésus. And be baptized in the name of Jesus. Levons-nous. Let's stand up together. Et on va prier. And we're going to pray. J'aimerais que tout le monde
Ferme leurs yeux, s'il vous plaît. I would like everyone to please close your eyes. Tout le monde ferme les yeux. Comme ça, nous pouvons parler à Dieu. Close your eyes, everybody, please, that we may speak to God. Seigneur Jésus, Lord Jesus, je viens à toi maintenant. I come to you now. Je crois en toi. I believe in you. Je sais que tu m'appelles. I know that you're calling me. Tu m'appelles à tourner à toi. You're calling me to turn to you. En tant que sauveur. Turn to you as my savior. Et je crois en toi. And I believe in you. Et je sais que tu m'appelles aux eaux du baptême. And I know that you're calling me to the waters of baptism. Et je te demande d'accepter. And I'm asking that you would accept. Accepte-moi dans ton royaume. Accept me in your kingdom. Que tu acceptes que je sois ton disciple. That you may accept that I am your disciple. Jésus a dit, je ne rejetterai jamais quelqu'un qui vient à moi. Jesus said, I will never reject anyone that comes to me. Jamais. Never. Tout le monde est bienvenu. Everyone is welcome. Tu es bienvenu. You are welcome. Dit le Seigneur. Says the Lord. Tu entends la voix qui dit. Can you hear the voice that says? Viens. Come. Viens. Come. N'aie pas peur. Do not be afraid. Viens. Come. Si vous avez pris une décision ce matin. If you've made a decision this morning. De faire que ton Tu fais du Seigneur ton sauveur et ton Seigneur. A decision to make Jesus your Lord and Savior. Si vous êtes mineur, dites-le à vos parents. If you are a minor, let your parents know. Et regardons si nous pouvons vous baptiser. And let's look at whether it's possible to baptize you. Et d'autres. And for the rest of you. Vous qui êtes adultes. You that are grown-ups. Si vous croyez. If you believe. Mais vous avez jamais été baptisé. But you've never been baptized. C'est l'ordre que Dieu a mis en place. This is a demand. It's an order that Jesus has put in place. Jésus, Pierre a dit le jour de la Pentecôte. Peter said on the day of Pentecost. Repentez-vous, croyez en Jésus. Repent, believe in Jesus. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés. And then be baptized in the name of our Savior Jesus Christ for the remission of your sins. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. And so you will receive the gift of the Holy Spirit. Mes amis, friends, oublie ce qui se passe autour de toi. Forget what it is that's happening around you. C'est peut-être ton dernier jour. This just might be your last day. Si tu entends sa voix. If you hear his voice. Et tu dis oui. And you say yes. Les eaux du baptême vous attendent. The waters of baptism are awaiting. Et le don du Saint-Esprit qui vient. And the gift of the Holy Spirit that will come. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Merci à Raphaël pour cette jolie musique. C'est une merveilleuse chose de donner sa vie au Seigneur. It is a wonderful thing to give your life to Jesus. Je vous félicite. I congratulate you. Et on attend pour voir ce qui va se passer aujourd'hui ou peut-être la semaine prochaine. And we're looking forward to see what will happen this week or the next. God bless you. Have a wonderful week.